Fredo et Mucho. Salut, moi c'est Fredo, c'est Mucho, c'est Gracia. Hey, culo, culo. Alors, culo. Le leader du groupe, c'est Mucho. Fredo. C'est culo. Donc voilà, notre groupe, on fait plus de la variété américaine. De française. De la variété chinoise, et japonais aussi. Ta gueule. Donc, nous promotionnons pour les bastards. Ta gueule. Les mariages. Voilà, quoi. Donc, si vous avez aimé notre chorégraphie, vous nous prenez. De belles soirées. On a déjà fait au Bataclan devant une vingtaine de personnes. De belles soirées en perspective. Voilà. Nous allons dans une petite salle d'une quinzaine de personnes, nous produire. Essayons de chercher un producteur ou une personne. Quelqu'un qui a envie de nous. Non. Les amis, je vais appeler ma copine Adrienne. On va pouvoir prendre un rendez-vous. Attends. Allô, Adrienne? C'est Philippe. Ça va? Oui, c'est moi. Peut-être pour qu'on se voit, pour qu'on fasse des choses. Tu veux pas qu'on aille au cinéma? Il y a un nouveau film, Les 13 moutons. Tu veux pas, Adrienne? Tu veux? Oh, mais si, Adrienne! Tant on peut se voir! Dans 5 mois? 6 mois? Oh, mais c'est beaucoup! Mais si, Adrienne! On peut se voir? Adrienne, c'est gentil! Je te remercie! Et je vous précise de voir! Parce que moi, je suis très très beau comme garçon! Hein. Et il y a beaucoup dans le mental aussi! Hein. Au revoir, Adrienne! Salut! Elle a accepté! Bonsoir. François, Camille. Gothique depuis 20 ans. La suite est une terrible perte dans mon existence et dans mon entourage. J'ai perdu mon chat. La suite d'un terrible accident où j'ai fait tomber un pot de lait, une petite tête. Mort, terrible circonstance. C'est pour cela que j'ai décidé, ce drame, d'adhérer à la secte qui prenait la mort et la souffrance. Donc décidé, après avoir découvert un pouvoir extraordinaire qui sommeillait en moi, j'ai créé la secte du feu, car j'ai le pouvoir d'allumer le feu. Oh merde. Le feu. Je suis fort, et donc toi, le... Ça m'a saoulé. Voilà. Non. Cesse. Mon bébé. Mon bébé. Mon bébé. Mon bébé. Mon bébé.
régionalement, publicitairement et internationalement. Je serai accompagné tous les soirs de mes acolytes Gérard Goulet. Bonsoir à tous. Qui nous présentera le sport tous les soirs, les sports régionaux, et Francis Lannis, pêchière, qui nous présentera la pêche. Les journaux. Les livres, pardon. Bonsoir. Alors, championnat de football, il y a. Excusez-moi, une petite victoire. C'est vraiment le cas de le dire. Une petite victoire de l'FC Barbosa contre le Spartak Toulouse. 4 à 3. Ce fut un match rude, mais une courte victoire. Sinon, à part ça, rien de nouveau aujourd'hui dans le sport. C'est une faible matinée, je vais dire. Je laisse la parole à mon acolyte, Bernard. Non, c'est Philippe Lafayette. Philippe, je me suis. C'est mon premier journal avec mes deux copains. Donc, je vous parle aujourd'hui du livre Père Goriot de Honoré de Balzac. Ce livre parle d'un père qui est très très malade. Et dans sa vie d'artiste, il tombe malade. Mais sans, dans sa maladie. C'est une maladie très très grave, c'est qu'il est malade en fait. Tout ce livre nous résume la vie d'un père qui est malade et qui ce n'est pas fini. Le résumé de ce livre, c'est un père malade qui a besoin de ses petits enfants parce qu'il est malade. Et donc si vous voulez l'acheter, il coûte dans les environs de 39,99 € d'euros bien sûr. Et c'est un livre à acheter, je vous le conseille. Et si vous êtes malade, lisez le Père Goriot parce que dans ce livre, le père est malade. Voilà, merci Philippe. Merci Gérard. Merci de nous avoir suivis. Merci beaucoup. N'oubliez pas que dans le livre, le père est malade, donc faut pas oublier. Hein. Merci à tous, à gagner une large victoire, mais ça ne se passe pas tous. Eh bien, messieurs et messieurs, si vous avez regardé, merci. Merci, on espère pouvoir bientôt nous revoir. Bonne soirée. Il est malade. Il est petit. And tell me, how would you do? The past few days I've been going out my mind.